Hey guys, welcome back on MadeInShanghai.tv. This time I would like to introduce you Laurent, who arrived here in Shanghai several years ago. From nothing to something, he built a business in IT, just follow his passion. Let's discover that together. L'informatique, ça a toujours été une passion, de tout petit. J'ai fait BTS Tourisme un peu par hasard, un peu par accident. Après des petits boulots de l'intérim, histoire de vivoter, et puis... Je trouve un boulot pour AOM, Air Outre-mer, à vendre des billets d'avion à l'aéroport pendant 10 mois en CDD. Air Outre-mer ferme, ils ferment leurs portes, c'est pas ma faute. Mais bon, ils me donnent un petit pécule parce que c'était CDD, je me retrouvais avec un beau paquet de billets. Et puis j'ai un copain en Chine qui me fait bah, t'as plus aucune attache là, t'as plus de boulot, t'as pas de copine, machin. Allez, viens t'amuser à Shanghai. Donc je pars à Shanghai, un petit mois, boîte de nuit, restaurant, on n'a pas trop vu le jour. Ça m'a plu forcément. Et puis on devait rentrer en France pour des raisons de visa. Et la première chose qu'on voulait faire, c'était repartir et revenir à Shanghai pour chercher. Au bout de 2 mois, j'arrive à trouver un petit boulot dans un hôtel, service marketing. Ils avaient besoin de bricoler une base de données, je m'y connaissais un peu, ils m'ont pris, hop. Ça a duré 6 mois, donc nourri, logé, blanchi dans l'hôtel, ça restait tranquille. Après c'est là que ça s'est corsé un petit peu, c'est que après l'hôtel, j'ai eu un peu de mal à rebondir. Et j'ai fait 3 mois dans une boîte de consulting en finance à faire du sales call. Et là ça a été dur parce que bon, le travail était vraiment terrible. On se faisait insulter pratiquement tout le temps, on gagnait rien. Je devais squatter chez un copain parce que j'avais pas les moyens de me payer une location dans un appart. Et voilà, donc c'était 3 mois assez durs, mais c'était mieux que de rentrer en France. Moi, c'était ce qui pouvait m'arriver de pire, c'était de retourner en France la queue entre les jambes, comme on dit. Et là, toujours mon pote qui me fait, bah, écoute... T'as toujours aimé l'informatique, qu'est-ce que tu fais? Trouve-toi un job dans l'informatique. Je fais, ah, mais j'ai pas de certification, machin, ça va pas le faire. Et finalement, si, je trouve un boulot de sales dans une boîte chinoise, donc sales engineer. La boîte veut développer un service de maintenance, alors qu'ils font du développement et de la vidéoconférence, histoire d'attraper plus de clients. C'est un peu l'excuse, on va s'occuper de votre maintenance et puis. Finalement, quand j'ai vu que j'avais pas trop de support de cette société, j'en suis parti. Quelques clients m'ont suivi. Et c'est là que l'aventure d'LGIT a débuté. LGIT donc qui fournit du support informatique, du helpdesk, du consulting aux sociétés étrangères basées à Shanghai, voire même en Chine. Oui, mais c'est bête à dire, mais ça a été d'une limpidité, d'une simplicité aberrante quoi. Je veux dire, j'ai niveau management, je suis pratiquement zéro. Je suis informaticien, et encore même pas d'études, mais juste d'expérience. Et non, j'ai trouvé les clients comme ça, ils sont venus à moi, ça a été du bouche à oreille, et dès le départ, en fait. Quand j'étais chez Istech, pareil, c'était des rencontres fortuites, parfois. Oui, tu fais l'informatique, c'est bien, moi aussi j'ai besoin, hop. Et ces clients-là, assez contents de mon service, commencent à en parler autour d'eux, et puis j'ai d'autres personnes qui appellent, oui, c'est un tel qui m'a parlé de vous. Ça marche comme ça à Shanghai, ça marche beaucoup comme ça, surtout pour le service. Et j'ai jamais eu de baisse. J'ai des clients qui sont partis parce qu'ils ont fermé leurs portes, surtout en 2009. J'ai des clients qui ont débarqué. J'ai dû à un moment donné augmenter mes prix parce que ça, comme je suis pas un bon manager, j'avais laissé les prix tels qu'ils étaient et au bout d'un moment je commençais à me dire attends, avec le coût de la vie qui augmente ça devient dur. Donc ouais, il y a des petits problèmes comme ça de comptabilité où il faut parler au client. Oui, bon là,
Et ce genre de choses, c'est un peu difficile, quoi. Mais j'ai jamais eu de coup bas, j'ai toujours eu assez de clients pour que la société vive. Flexible au niveau administratif. Les Chinois ont moyen de faire du freelance. Ils ont moyen d'émettre des FAPIA sans avoir de société, sans avoir de Wi-Fi ou quoi que ce soit. Donc si vous débarquez comme ça ici sans trop savoir quoi faire, trouvez un petit boulot dans une boîte chinoise, faites votre trou, regardez un peu comment ça se passe, sondez, voyez ce qui va pas. Ce qui va pas, essayer de voir une solution. Si vous voyez une solution que peut-être personne n'a pensé ou très peu de personnes nous proposent, ben lancez-vous vraiment la sienne. Mais personnellement, créer des relations, du guanxi, comme ils appellent ça en Chine, avec le ponte de machin, le truc, j'ai pas vraiment cherché. Ça s'est fait naturellement en fait. J'ai jamais cherché à avoir des relations dans le consulat ou des trucs comme ça, quoi. Ça se fait naturellement, le monde est petit, les gens se rencontrent. À partir du moment où t'es assez sympa, où t'essaies pas d'arnaquer les gens, ben, ça se fait tout seul, quoi. On en parlait l'autre jour, il y a des moments, des hauts, il y a des bas, mais même les bas, ils vont jamais très bas, quoi. Tu vas squatter chez un copain... Tu vas bouffer des nouilles lyophilisées à deux couilles dans le Sistor d'à côté. J'ai fait ça en France, j'ai fait ça à l'armée, j'ai dormi dans les trous de combat. Tu dors bien dans un trou de combat, quoi. T'es sous la lune, il fait bon, c'est bon, quoi. Et c'est pareil, il se reste un peu de sous, t'as des potes, t'as toujours quelqu'un pour t'aider, t'as toujours quelqu'un pour te soutenir. Et voilà, quoi. Et c'est jamais très, très long, c'est toujours temporaire, parce que quand t'es là, t'as le niaque, et tu fonces et ça marche. T'as pas le choix. Je suis arrivé ici, je savais dire « Hello, how are you ?» Et ça allait pas bien loin, quoi. J'ai eu un entretien assez cocasse avec un Philippin qui avait un accent coupé au couteau, je comprenais rien ce qu'il disait, et je lui faisais « Yes, yes, J'ai eu le boulot comme ça, quoi. Et puis là, l'anglais, ça rentre, quoi. Au bout de 2 mois, c'est bon, tu commences à discuter, quoi. Quand t'as envie, tu... Ben, quand t'as pas le choix, tu le fais, quoi. Une question de choix. Il faut pas se donner le choix le moins pire. Il faut sortir du confort. Je reprends la parole de Tim Ferriss, un gars que j'aime beaucoup. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut arrêter de se dire, non, mais je vais chercher du boulot, je le ferai demain. Je peux toujours essayer de trouver un boulot dans mon coin. Non. Faut chercher loin, quoi. Et puis changer de, il faut pas avoir peur de changer d'industrie si on voit qu'on est au pied du mur, quoi. Et si la passion, bah, c'est le modélisme, bah, lancez-vous dans le business du modélisme. Si vous aimez les strings, les petites culottes, bah, je sais pas, moi, faites du business de petites culottes. J'ai eu l'idée un jour, mais bon, j'ai fait informatique, mais ça aurait pu être les petites culottes, quoi. Bon. Ok, ça marche. C'est gentil, merci beaucoup.